Bonsoir, Salles Sabertin. Bonsoir. Vous êtes journaliste, euh, critique euh, gastronomique, enseignante et essayiste. Et puis vous publiez euh, « Vivre autonome le survivalisme à la française ». Alors euh, le titre de ce livre est, est un peu provocateur puisque euh, voilà, vous, vous précisez que vous euh, préconisez l'autonomisme et non pas le euh, survivalisme tel qu'on l'entend aujourd'hui. Euh, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, avant de commencer cette, euh, cet entretien, je voudrais indiquer à euh, nos auditeurs que nous lançons une campagne de dons défiscalisés jusqu'au 31 décembre voilà, pour monter un pôle enquête à, euh, à Livre Noir. Donc, voilà, n'hésitez pas à euh, nous soutenir. C'est sur notre site internet www.livrenoir.fr. Et puis, euh, désormais, notre nouveau magazine Une terre de peuple est en kiosque voilà, depuis euh, ce vendredi 8 décembre. Donc, n'hésitez pas, allez-vous le procurer euh, près de chez vous. Alors, euh, Salzabertin, je voudrais euh, commencer cet entretien par une, une citation. C'est un slogan euh, décroissant euh, assez connu. Moins de biens, plus de liens. Qu'est-ce que ça vous évoque alors ça m'évoque euh, finalement les fondements de notre civilisation, euh, ici hein, ici en Europe et particulièrement en France, euh, dont on a souvent dit qu'elle était la fille aînée de l'Église et c'est nos racines chrétiennes. Et ça m'évoque, si vous me dites comme ça tout de suite, hein, voyez, à Bruy-Poprent, j'irai Rerum Novarum, une encyclique. Parce que c'est une, je dirais, l'encyclique de quelqu'un qui, à l'autre bout de la chaîne, dans un autre registre, rejoint mes sujets qui se rapprochent de l'écologie, mais une écologie finalement intégrale, qui est Pierre Rabhi, avec sa sobriété heureuse. Voilà, ça m'évoque en fait tout ça à la fois, et ça on peut aussi le, bah, bah, le, le développer. Alors, euh, justement. Euh vous, c'est un peu ce que vous prenez finalement dans votre dans votre livre sur donc l'autonomisme. Alors euh, on, on verra un peu plus tard précisément de quoi il s'agit, mais l'idée principale euh, de l'autonomisme, c'est quand même d'être prêt face à ce que vous appelez des ruptures de normalité, euh, c'est-à-dire des moments où en fait votre vie peut basculer pour pour une raison ou une autre. Euh, est-ce que vous pourriez donner des exemples de ces ruptures de normalité qui, euh, qui pourraient survenir et auxquelles aujourd'hui on aujourd n'est pas apte à réagir Alors, déjà, le terme de rupture de normalité ne vient pas de, de nulle part. Il vient de tout un courant. Est-ce que vous voulez qu'on parle déjà de la différence entre survivalisme et autonomie euh, mon, mon, Le livre s'appelle euh, Vivre autonome. Euh, euh, le survivalisme à la française euh, qui dit tout et qui, est, et qui justement opère, ne serait-ce que dans le titre, un distinguo entre ce que je vais appeler moi l'autonomie et ce que je vais prôner qui est l'autonomisme et le survivalisme qui nous vient euh, des États-Unis. Le, 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 le terme de rupture de normalité, il, est, il vient plutôt des États-Unis et d'une... Euh, de ce qui est devenu presque, je dirais pas une doctrine, mais en tout cas, euh, un mode de vie, euh, et, et une, une idée qui a induit un, induit un, un certain caractère chez les Américains. Euh, qui vivent euh, dans cette euh, crainte euh, ancrée profondément ou, ou plus en surface, mais euh, de la rupture de normalité, d'où qu'elle vienne. Alors, est-ce que vous voulez que je vous parle peut-être de, de ce qu'est déjà le survivalisme euh, Qui était la, oui. la première idée, en fait La première idée, c'est qu'en fait, euh, au moment de la guerre froide, les États-Unis ont voulu préparer euh, le peuple euh, surtout à. à à obéir et à faire nation autour de l'idée de de faire front contre l'ennemi qui était l'URSS bon et et pour cela, vous savez très bien que on manipule les foules avec la peur. Hein. Ça, bon, bah, aujourd'hui, je crois que vous êtes, vous, vous évoluez vous dans des univers où, où on le répète suffisamment et, et on a et surtout depuis euh, d'ailleurs depuis la période entre guillemets Covid, euh, où les gens ont vraiment pris conscience de ça et on a réussi à mettre des mots. Mais donc on joue sur la peur et la peur, elle est essentiellement la peur du nucléaire, d'une attaque nucléaire pour finalement un, un pays, si on peuple ça un pays, les États-Unis, ou en tout cas un continent, qui n'a jamais vraiment été attaqué sur son propre sol. Donc il faut vraiment créer cette peur et euh, on va leur distribuer des manuels, des petits fascicules, où on va leur donner des de très bons conseils d'ailleurs euh, de vie au cas où il y aurait une attaque nucléaire ou tout forme de rupture de, de normalité. Alors, ça, 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 ça va concerner la nourriture, euh, l'attaque les, les, euh, les, nucléaire, euh, les gaz, les, n'importe, voilà. Et puis, euh, et, puis, petite, et puis, ça va rester, si vous voulez, après, euh, après euh, la guerre froide, ça va rester dans la mentalité américaine parce que c'est vraiment rentré dans les foyers et ça s'est ancré. Et, et et, et ça, va, ça va les modeler. Et, et aussi, euh, c'est assez en adéquation ce, avec ce qu'ils sont, c'est-à-dire euh, un peuple de colons. Hein, il faut quand même dire les choses comme elles sont. On est en pleine actualité. Qu Qu'est-ce qu que le colonialisme, en fait En vérité, il y a plusieurs sortes de colonialisme. C'est un peuple de colons qui n'étaient pas forcément euh, la fine fleur euh, de l'Europe euh, lorsqu'ils ont débarqué là-bas, comme vous savez, euh, les origines. Euh, donc ils sont quand même assez rudes et euh, ils vont euh, à la fois euh, bah, commettre euh, ce qu'il faut bien appeler un génocide pour s'installer auprès des populations autochtones, notamment des Indiens, et d'autre de, de, part euh, domestiquer une nature qui est infiniment plus violente que la nôtre. Ça n'a rien à voir, hein. les étendues, le désert, là, tout, est, tout est plus puissant, plus fort et, 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 et pas du tout à la même échelle. Et, et donc ce survivalisme va très vite aussi s'appliquer à la nature euh, qui euh, peut être vue euh, assez facilement non comme une alliée mais euh, plutôt euh, euh, comme euh, comme une ennemie ou en tout cas euh, un élément dont il faut se méfier ou qu'il faut vraiment domestiquer. Donc le survivalisme aussi euh, aujourd'hui aux États-Unis il se vit par rapport à la nature. On va facilement partir en bushcraft, euh, voilà faire des stages de survie euh, aussi dans la nature, voilà. Alors nous, maintenant, revenons en France. <laughs> et euh, on a quelques, quelques groupes en France et en Europe de survivalistes. Euh, C'est un épiphénomène euh, qui euh, se nourrit de la peur aussi. C'est le même fonctionnement. Il y a un, un journaliste, euh, d'ailleurs, qui a fait un livre peu amène sur ces sur milieux, euh, qui était un garçon qui avait été traumatisé euh, par, euh, par une agression très, très violente et qui a versé dans des milieux survivalistes, mais quand je vous dis que c'est plus phénoménal ça concerne quelques centaines d'individus vraiment c'est presque rien qui eux euh, entretiennent le côté paramilitaire, paranoïaque etc. Donc le, la peur toujours et vont euh, euh, vivre des expériences euh, non pas d'autodéfense qui est très sain mais de, de, de choses poussées à l'extrême dans, dans, dans cette vision que l'autre est est un ennemi qu'on peut être attaqué à tout moment et qu'il faut pouvoir tuer pour ne pas être tué, se défendre, etc. Donc on va manier les âmes. Bon, bon. Et donc il est très traumatisé aussi par cette expérience et il va verser finalement dans le discours inverse, qui à mon sens est dangereux aussi. Parce que, euh, pour lui, euh, tenter même d'apprendre à se défendre euh, ou de simplement prévenir une rupture de normalité, euh, ce serait euh, mal et ce serait. Oui. Donc moi, je pense que nous, les Français, on n'est on pas fait pour tous ces schémas-là, euh, et c'est notre French, French touch. Mais je pense que, euh, à l'image de justement mes grands mères à qui j'ai je, je dé, je dédié ces livres, euh, on est fait pour être autonome euh, et non pas survivaliste. Donc ce que je vais euh, prôner et expliquer, c'est l'autonomisme et non pas l'autonomie, parce que je crois qu'on peut à peu près tous être autonome et qu'on l'est à peu près tous. On sait marcher, parler, euh, bon, se nourrir tout seul, euh, bon, aller d'un point A à un point B. Euh, c'est ça être autonome en vérité. Là, l'autonomisme, c'est une, une véritable démarche plénière euh, qui peut euh, ressembler euh, au survivalisme et qui en fait n'a euh, strictement euh, rien à avoir, ni dans l'intention ni d'ailleurs dans la dans la manière de, de le faire euh, parce que comme je vous dis nous sommes pas des américains nous sommes pas conformés comme eux nous n'avons pas la même histoire nous n'avons pas la même nature euh, et nous n'avons pas non plus cette éducation euh, je dirais euh, bon un peu paranoïaque euh, il faut euh, seul contre le reste du monde ou maître du monde la france elle a elle a elle a euh, une vocation euh, non pas euh, d'immigration mais d'émigration. Hein, nous on a beaucoup émigré, mais émigré pour construire, pour évangéliser, pour enseigner. Euh, et donc on est beaucoup plus ouvert et tourné vers le monde. Et le français, en tout cas de par son histoire, ne voit pas le monde et l'autre comme son ennemi. Euh, ça, ça c'est une chose à prendre en compte quand même. Alors euh, avant de rentrer dans le cœur du sujet. Euh, je voudrais euh, revenir sur... Vous parliez à l'instant de vos grand-mères, justement. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi est-ce que vous leur, euh, vous leur euh, dédiez ce, ce, ce livre Et aussi, euh, justement, à contrario, vous parlez d'une rupture dans la transmission, dans la génération de ce qu'on appelle les boomers, euh, voilà, donc euh, ceux qui sont nés après la, la Seconde Guerre mondiale, et euh, vous dites, ben bah, voilà, cette génération n'a rien donné. À, à ses enfants. Euh, donc, vous, donc votre euh, génération, plutôt née dans les années 70-80. Euh, et euh, voilà, pourquoi est-ce que euh, vos, vos grands-mères vous ont autant marqué Et pourquoi, à l'inverse, quelque part, euh, la génération de, de vos parents, euh, elle, n'a pas été présente Alors, la génération de nos parents, c'est les 68 arts. C'est ceux qui avaient entre 15 et 20 ans en 68, euh, à peu près. Et, euh, et c'est vrai que ça a été une génération très gâtée parce que c'était la génération de vous savez de l'après-guerre, hein, de ces belles années très dorées les, bon, euh, et bon. et c'est une génération qui n'a pas vécu de difficultés. La, ma génération qui est née au milieu des années 70 et dans les années 80, n'a euh, euh, pas du tout connu alors peut-être que la petite enfance était très agréable hein, quand autour dans les années 80 c'était très sympathique d'être un, une enfance que j'étais, Yeah. <sighs> Euh, c'était voilà on a eu plutôt une belle enfance c'était un monde assez joyeux euh, de fête dynamique très encore très euh, euh, insouciant voyez euh, et puis cette insouciance on l'a perdu euh, on l'a perdu assez brutalement et ne parlons pas de votre génération qui est pour moi la génération du, du de, juste en du, du dessous quoi et, et donc on a vu que entre ceux qui ont la quarantaine ceux qui ont la vingtaine comme vous ça, on a 20 ans d'écart euh, tout a changé. C'est-à-dire que nous, on a vu la dégringolade et vous, vous êtes nés dedans. Donc, d'une certaine manière, vous êtes plus... Alors, c'est un terme que j'aime énormément et qu'on me reproche mais c'est pas grave je vais quand même l'employer je persiste et je signe c'est résilient voilà finalement euh, beaucoup plus décomplexé quelles que soient vos tendances ici je suis dans un monde bien à droite on va dire euh, mais quand je, je je vois des jeunes aussi bien à gauche ils sont aussi très décomplexés par rapport à leurs idées notamment par rapport à cette actualité de guerre que nous avons aujourd'hui euh, voilà c'est bon après c'est la fougue de la jeunesse il y a ça aussi mais quand même je vois des gens beaucoup, beaucoup bien bien plus décomplexés, et assumant vraiment leurs idées. Et nous, voilà, on était balottés entre deux mondes. Et mes grand-mères ne l'étaient pas. Elles étaient ancrées. Euh, non pas ce que j'appellerais dans l'ancien monde, mais encore dans un monde adulte, dans un monde où justement on était autonome. Et, et mes grand mères euh, ce qui était extraordinaire chez elles, c'était des femmes qui avaient connu la guerre, qui ont eu des épreuves comme on en a peu encore aujourd'hui, euh, seuls ceux qui vivent la guerre euh, et actuellement euh, vivent ce qu'elles vivent elles ont vécu elles, mais surtout, euh, malgré leur milieu social, qui était quand même élevé, c'était des femmes qui savaient tout faire. Euh, donc, c'était impressionnant. C'est-à-dire qu'elles pouvaient, pour lui, être une immense artiste, avoir un prix international de chant, et être la seule femme infirmière sous les blessés, aller, aller sous les bombes chercher les blessés, vous voyez euh, et puis, euh, et puis, bon, une femme très moderne, euh, par ailleurs, et très traditionnelle en même temps, faisant la meilleure confiture de la terre, sachant jardiner, absolument tout faire, euh, tout en ayant ce côté artiste ou sachant travailler. C'est des femmes qui parfois pouvaient être veuves, sachaient éduquer, éduquer leurs enfants toutes seules. Donc, des femmes incroyables, sans avoir euh, ce côté revendicatif des femmes d'aujourd'hui, des femmes qui savaient trouver du travail, euh, faire les choses par elles-mêmes, euh, tenir tête aux hommes, euh, et so tout ça sans avoir rien à revendiquer, dans une parfaite féminité. Donc, que, que les féministes aujourd'hui en prennent de la graine. Bon, je dis ça. <laughs> Pas rapidement, et puis voilà l'autre grand-mère que je parais alors grande aristocrate. Alors, elle, elle, savait en une fraction de seconde caresser un animal. Il était mort en une fraction de seconde, saviez pas comment elle avait fait. Et donc, voilà, c'est tuer ses lapins, des poules, des et on s'est dit, mais d'où cela pouvait-il lui venir et. Et voilà, et d'une vie, euh, euh, voilà, je ne vais pas raconter toute leur vie, mais elles, euh, elles, elles avaient tout, elles avaient le raffinement et en même temps, euh, euh, elles étaient à toute épreuve. Et je ne les ai jamais entendues se plaindre une seule fois, malgré tout. Et elles avaient toujours la table ouverte pour tout le monde, euh, l'ouverture à tous, en ayant un grand sens de la famille. Mais quel exemple! Et puis, euh, et puis moi, je me suis regardée, je me suis dit, malheureusement, elles sont mortes un peu trop tôt pour moi, même si j'étais, euh, enfin en tout cas pour l'une des deux, une jeune adulte. Mais euh, on prend conscience vraiment des choses à 30 ans, je dirais. Et, euh, et, et malheureusement, souvent, pour beaucoup, on n'a plus nos grand-mères à 30 ans. Et c'est le moment où on a envie de revenir un peu au bercail, on a envie de retrouver un peu ses racines, et, et, et c'est là qu'on regrette, en fait. Et, et donc, c'est toute cette génération qui est morte sans avoir pu transmettre euh, tout ce qu'elle voulait. Et moi, je me suis dit, mais ma fille, quand j'ai pensé à elle euh, il y a quelques années, euh, en fait, à côté d'elle, tu as les, mêmes, les deux pieds dans le même sabot, parce que c'était... Voilà, c'est... Et euh, donc, effectivement, euh, voilà, tous... Euh, euh, si on comprend bien, effectivement, tout ce qu'avait euh, la génération de vos grand-mères n'est pas passé à la génération suivante et euh, n'est pas passé à votre... Euh, mm -hmm à votre génération donc. Alors euh, moi ce que euh, ce que j'aimerais bien voir, c'est effectivement qu'est-ce que euh, quelque part euh, vos grands-mères mais en tout cas nos, nos, euh, nos aïeux auraient pu d'une certaine façon nous, nous transmettre euh, et que nous n'avons plus aujourd'hui, c'est à dire que vous parliez par exemple de effectivement euh, voilà, euh, savoir euh, s'occuper et euh, tuer, vider des animaux. Euh, ça peut peut-être être un exemple mais euh, concrètement, euh, voilà, qu'est-ce qu'elles qu qu avaient qu'on n'a pas reçu et qui qu nous manque aujourd'hui Déjà une certaine endurance. Je pense que mes grands-mères et mes arrière-grands-parents, euh, les arrière-grands-parents ont fait la guerre, hein, la guerre de 1914, euh, Ils avaient une endurance que l'on n'a plus euh, en raison du confort, d'un confort matériel euh, qui ne nous aide pas en vérité. Donc c'est pour ça ce livre aussi prêche pour une forme de sobriété qui est euh, qui est celui aussi d'un d'un inconfort euh euh, salutaire. Vous savez, je pense à cette euh, image de Mère Teresa qui m'avait beaucoup euh, impressionnée. Elle était euh, en voyage avec, avec ses sœurs et elles étaient reçues, je ne sais plus dans quel pays. Et alors, euh, euh, on, on, leur avait, on les avait bien reçues, on leur avait déroulé un peu le tapis rouge. Elles qui passaient leur vie entière à dérouler le tapis rouge des pauvres en Inde, parmi vraiment les plus misérables, parce que la misère en Inde, avec le système des castes, c'était inépouvante et et on leur avait fait des bons lits et, notre, et là Mère Teresa a défait tous les lits enlevé tous les matelas et elles ont exigé que les sœurs dorment sur le planche de bois pourquoi parce que en fait ce, 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 ce confort ne leur, euh, ne leur aurait pas rendu service. Euh, dans leur état de vie, euh, et, le, et ensuite le retour euh, à leur euh, réalité euh, auprès des pauvres aurait été peut-être un peu plus compliqué. Et euh, c'est un exemple quand même marquant, vous voyez, cette, euh, euh, cette discipline de vie. Et ce n'est pas en restant toute la journée euh, sur un, un, devant un ordinateur et puis après, le soir, dans son canapé. Euh, Avachi avec tous ces, tous ces appareils, ces consoles, qu'on on pourrait vivre euh, ce qu'ont vécu nos grands-parents, euh, des exodes, euh, des tranchées, euh, des, enfin, des voilà, euh, euh, des, des traumatismes importants. Et puis euh, il ne faut, faut pas oublier qu'aujourd'hui nous sommes 80% urbains. Ce livre notamment s'adresse à eux. C'est-à-dire que le premier sujet d'expérimentation, c'était moi-même, je pense qu'on est notre, on devrait toujours être notre premier, euh, notre premier sujet et objet d'expérimentation. De, et je me suis dit aujourd'hui, les urbains, euh, ils, ont, euh, ils sont très démunis euh, en cas de rupture de normalité. Et donc on va en parler parce que c'était votre première question. Qu'est-ce qu'une rupture de normalité pour nous Qu'est-ce que cela pourrait être Et nous, on est on est trop démunis. Alors que euh, ils pouvaient pouvait euh, faire face à tout puisque euh, la proportion était quasiment inversée. Nous venons tous peu ou prou. Du monde paysan euh, qui est, vivait en autonomie et d'ailleurs dans, dans certaines régions, par exemple en Savoie où je suis allée, d'autres, certaines régions où je suis allée rencontrer des gens pendant des années. D'ailleurs, à la fois par goût, puis après un peu plus tard, lorsque j'ai commencé le, le livre, euh, même beaucoup plus tard, hein, euh, eh bien, euh, ce sont des gens qui peuvent vivre en autonomie. Vivre en autonomie, ça veut dire savoir à peu près tout faire. Mais ça ne veut pas dire être seul, attention. Alors justement, venons-y, on disait effectivement moins de biens, plus de liens au début, mais ce que vous dites, c'est que par exemple, voilà, la différence des survivalistes, par exemple, qui vont parfois se, se cacher dans leur bunker pendant des semaines, des mois, seuls ou avec leur famille, voilà, pour s'entraîner en cas d'attaque nucléaire, voilà, eh bien en fait, il y a un modèle d'autonomisme, donc, qui euh, consiste à effectivement vous donner l'exemple de la fête des voisins euh, voilà mmh. euh, parler à ses voisins à les connaître à hein. exactement mmh. avoir c'est-à-dire que ça passe aussi par une socialité euh, qui euh, qui est proche euh, de notre environnement quelque part c'est-à-dire maîtriser son environnement oui. l'appréhender le connaître alors euh, est-ce que vous pourriez justement euh, voilà expliquer euh, euh, en quoi euh, l'autonomisme ne veut pas dire l'individualisme, au contraire même, j'ai envie de dire. Oui, oui au contraire. J'aime beaucoup cette fête des voisins euh, lancée par Athanas Périfant à Paris, à Paris où, plus qu'ailleurs, on en avait bien besoin, où on peut avoir un voisin sur le palier euh, qui est mort depuis six mois et euh, en fait, on s'en soucie euh, uniquement euh, lorsqu'il commence à y avoir des mauvaises odeurs. Bon, c'est... Non, mais c'est arrivé plusieurs, plus, plusieurs fois, plus d'une fois. Donc, c'est monstrueux et ce n'est pas la société encore euh, en réalité, le modèle de société euh, que nous avions autrefois en France, où on vivait autour de son clocher, on vivait en village, on vivait en communauté. Et aujourd'hui, à la fois l'individualisme, le nomadisme de la société, tampronné euh, par Jacques Attali, euh, qui eh bien euh, a fait, euh, ah, fait éclater les familles, euh, les, les sociétés, l'église au milieu du village, puis personne n'y va. Enfin, J'exagère. Dans les villes, les gens viennent encore à l'église, mais dans les villages, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc, il y a plus ces communautés naturelles, je dirais. La famille a éclaté parce que bah, les, les, gens, les gens font éclater leur famille pour un oui ou pour un non. Euh, finalement, on n'a jamais été autant libre euh, et autant prisonnier de nos pulsions et de nos passions. Euh, et euh, se, se renfermant sur nous-mêmes dans un individualisme assez insupportable. Euh, alors, justement, pourquoi mon livre est presque un manuel d'anti-survivalisme Parce qu'il prône, euh, euh, non pas le vivre ensemble, bien sûr que j'aime le vivre ensemble, je suis une fille du Sud, euh, <laughs> je suis d'origine marseillaise, donc j'aime une certaine forme de vivre ensemble, bien sûr, mais je préfère euh, euh, la sociabilité, euh, la communauté. Le partage euh, et tout ce qui est prôné finalement par, par tous ces courants euh, dont je parle dans, dans le livre qui traversent mon livre, qui sont des courants, des courants importants, dont notamment celui de, de Pierre Rabhi. Euh, mais euh, bon, et pas que, on pourra en parler aussi plus tard. Euh, mais effectivement, pour moi, le salut aujourd'hui il est dans la solidarité et le retour, euh, le retour d'une du, du, vraie société en fait, mais avec. Son voisin, son prochain, vous savez ce que veut dire le prochain, c'est le plus proche, celui qui est à côté. C'est ma famille, mais ce n'est pas que ma famille. Et, ce, et cet enfermement dans la famille, de toute façon, est un autre, une autre forme d'égoïsme, une autre forme d'individualisme, qui est pratiquée par un certain nombre de gens comme une valeur refuge, pour reprendre des mots, des termes très à la mode, qui parleront à tout le monde. Mais euh, voilà, mais ça n'est pas, euh, pas suffisant, et, et c'est. Et ce repli unique, euh, il n'est même pas souhaitable, je dirais. Ouais, ouais, ouais. Très euh, concrètement, votre, euh, votre objectif est de revenir à une forme de société organique, disons, euh, où effectivement, voilà, il y a, comme vous dites, il y a plusieurs étapes. Il y a la famille, hum. ensuite il y a le village. Et euh, effectivement, euh, dans ces sociétés organiques, ce qui se passe, c'est que euh, chacun est à la fois... Euh, Dépendant des autres, euh, et en même temps, euh, ça forme une sorte de tout euh, qui est pour lui autonome. C'est-à-dire que le, la, la petite société, quelque part, le petit village, est lui globalement euh, autonome, lui. Euh, euh, comment est-ce euh, on peut euh, euh, concrètement être, euh, recréer du lien, euh, réapprivoiser? Euh, son, euh, son environnement, quel conseils vous donneriez, par exemple, à un Parisien euh, qui vit dans un immeuble, il ne connaît pas ses voisins, comment est-ce qu'il peut se réapproprier son autonomie et, euh, et, voilà, et recréer du lien Alors, euh, déjà, euh, ça, ça dépend quel est votre... Euh, votre mode de vie, euh, vos souhaits, vos goûts, déjà pour retrouver du lien tout simplement. Vous avez le monde associatif euh, qui est très collaboratif parce que par définition, euh, dans une association, il n'est pas souhaitable qu'il y ait trop de salariés parce que ce n'est plus une association, ça finit par créer des histoires. Ne pas avoir un, 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 un moitié de salariés, une moitié de bénévoles, euh, c'est pas possible. Et donc dans ce monde associatif, c'est la gratuité. Voyez, la gratuité dans le monde que je prône, elle est très importante. Il y a un livre qui s'appelle Gratuité, euh, qui, pour moi, euh, est la clé euh, de ce monde autonomiste que, que j'appelle de mes voeux et bon, qui, qui existe, mais hum, petitement pour l'instant. Euh, et qui est. Euh, voilà. Donc, les associations, c'est faire ensemble euh, autour d'un projet que l'on aime, d'un projet commun. Euh, qui peut être humanitaire, sportif, euh, éducatif, euh, peu importe. Euh, déjà, ça, 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 ça c'est la base, je dirais. Mais on, la, on la connaît. En France, on a, et ça, c'est, c'est, une belle chose française. On, on a, euh, on a le goût, euh, on a le goût de l'associatif. Mais plus loin que cela, bien sûr, euh, pour recréer ce lien, il bah, y a déjà ce remède. Vous savez, c'est même. Euh, euh, quelqu'un d'ancien que, ministre que j'ai pas envie de citer parce que je trouve pas si recommandable que ça euh, même si la droite lui repart lui parle et lui reparle parce que c'est un homme de gauche mais il a dit finalement bah, écoutez vous la solution retournez dans vos églises en fait euh, je dirais que voilà il y a aussi des communautés naturelles euh, françaises qui est aussi le religieux vous avez aussi beaucoup de musulmans en France qui eux vivent pas mal euh, malgré tout cette solidarité enfin euh, voilà parce que c'est euh, c'est aussi dans dans, dans des pré leurs préceptes religieux comme comme chez les chrétiens voilà mais c'est pas suffisant parce que ça peut être aussi encore clivant en fait refaire euh, refaire société euh, c'est plutôt les petits groupes dont je parle euh, qui sont qui se reforment euh, sous je ne vais pas te dire sous le manteau, c est, c est, mais euh, qui se reforment euh, d'une manière un peu plus furtive et qui sont des réseaux de solidarité, euh, indépendamment euh, de votre appartenance forte à un groupe politique ou religieux, qui à mon sens est encore trop clivant pour euh, faire société et, et recréer cette société telle qu'elle était et qu'elle devrait être en fait. Parce que si vous commencez à regarder la couleur de votre voisin, que ce soit la couleur religieuse, euh, la couleur culturelle, la couleur politique, la couleur de peau même ou autre, c'est pas, euh, vous ne pourrez jamais faire société. Vous ne pourrez pas recréer la vraie sociabilité, la vraie solidarité du peuple euh, entre soi, euh, qui aujourd'hui plus que besoin, aujourd'hui a plus que jamais besoin. De se serrer les coudes face à une oligarchie euh, qui, euh, étant son pouvoir, euh, c'était au fur et à mesure, mesure qu'elle perd le régalien, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire tous les apanages de, 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 de son pouvoir naturel, de son devoir surtout, eh bien, euh, resserre les taux sur euh, euh, le peuple et euh, sur euh, les sujets qui ne le, la concernent pas. Et là, euh, ce n'est que par des réseaux de solidarité et faire front ensemble que vous arrivez à vous en sortir euh, des, des attaques comme par exemple... Euh, une attaque fondamentale qui pourtant est dans le, les droits de l'homme, hein, vous savez, hein, donc, euh, et qui est aussi dans Rerum Novarum, puisque j'ai cité cette encyclique, vous voyez, donc ça va des droits de l'homme à Rerum Novarum, qui est le droit de propriété, par exemple, qui était un droit inaliénable, voyez, mais qui est pourtant une attaque de l'oligarchie aujourd'hui, des pires attaques actuellement, hein, euh, de nous déposséder, en fait, de déposséder le peuple de sa propriété privée, de sa souveraineté, euh, c'est ça. Et donc, si vous voulez déjà être euh, autonome, il faut déjà être autonome dans son pays, autonome dans sa communauté, qui est par exemple sa ville, son village, son ré, euh, sans que euh, y ait un mastodonte tout là-haut, une petite tête d'épingle avec un énorme corps, ça s'appelle l'impérialisme, euh, qui décide pour chaque individu euh, à l'endroit à où il est, pour tous les les instants et les moments de sa vie euh, euh, jour et nuit et, et voilà et que, quel que soit le domaine voyez donc en fait refaire euh, recréer du lien ça passe par beaucoup de petites choses alors ça passe par, ces, par les mouvements par exemple des colibris voyez vous trouvez dont je parle hein, dans, le, dans le livre c'est trouver des réseaux euh, de solidarité autour de chez soi, dans un périmètre. Et donc, il, donc ces, ces réseaux existent, et, donc, euh, et on, les, on les trouve. Et euh, on les trouve un peu moins à Paris, mais on les trouve beaucoup en province. Et c'est dans un périmètre de à peu près 40 km autour de chez vous. Vous voyez, vous tracez un cercle. Et là, on, on, peut, euh, on peut recréer quelque chose en cas de rupture, notamment, de normalité, mais même quand tout va bien. Parce que, en fait, le livre, l'autonomie, qu'est-ce que c'est C'est prévenir, c'est guérir. Voyez, mais, mais ensemble, pas en, en survivaliste, pas comme ces milliardaires aujourd'hui qui euh, sont capables, eux, de créer des catastrophes, puisqu'ils ont capté l'essentiel des richesses. Euh, c'est pour ça que le monde va mal. On peut aussi, on peut aussi en parler, les causes, euh, mais euh, et qui sont à peu près 300 familles parmi les plus riches du monde, qui eux sont allés construire des bunkers en Nouvelle-Zélande euh, parce que c'est une zone anti-nucléaire en fait, euh, voilà, qui est extrêmement bien placée pour, pour résister euh, au, au relan de, de, de nucléaire. Vous voyez, donc les choses sont, les, vous voyez à quel point mon univers est éloigné. Euh, du monde alors, euh, effectivement, mais euh, dans ce que vous dites euh, sur euh, cette tendance à l'impérialisme, à l'autoritarisme, euh, aux, aux restrictions de la, la liberté, euh, il y a toujours une forme de tenaille, c'est-à-dire que euh, certains prônent euh, une, une société où, en fait, voilà, l'État, euh, ou même les institutions euh, européennes, voilà, auraient de, le moins de place possible, euh, auraient euh, euh, moins d'attributions pour voilà euh, avoir uniquement des attributions régaliennes limitées euh, mais sauf que ce qu'on sait c'est que là où l'état se, se retire en fait c'est le grand capital qui, euh, qui s'installe c'est la société de marché alors euh, est-ce que on est condamné à choisir entre euh, là euh, les, euh, les lois européennes et françaises de, de cet état et la loi du marché est- ce qu'on est obligé de, est- ce qu'on est forcément pris dans cette tenaille ou est-ce qu'on peut en sortir? Alors, dans le monde autonomiste, on souhaiterait en sortir. Euh, alors moi, je ne vais pas entrer dans l'économie parce que je ne suis pas économiste et vous savez, je déteste tous ces euh, entre guillemets journalistes, je suis désolée, hein, maintenant qui parlent de tous les sujets à longueur de plateau, qui vont plus jamais sur le terrain et euh, qui... ne se sent pas visés, au moins. Euh, et, euh, au voilà, niveau. qui bavent <laughs> toute la journée sur des plateaux ban euh, euh, des Omnirescribili, enfin bon, et qui... qui qui savent tout sur tout et dans tous les domaines, et voilà, qui sont spécialistes de tout. Et je dirais finalement surtout de rien. Alors, moi, je suis pas économiste, euh, mais euh, ce que j'aime, c'est le réel. c'est de la réelle politique. J'aime la métapolitique. Ça, oui, je peux en parler, et je peux parler, moi, en tant que journaliste. C'est ce que je fais depuis, bon, j'ai commencé très jeune, euh, depuis plus de 20 ans, 25 ans. Euh, à, à, je, je parle de ce que j'ai vu, connu, goûté, essayé, testé, expérimenté, euh, entendu, etc. Alors après, on peut se tromper parce qu'on peut être abusé. Euh, même même les, les années de ma vie où j'ai fait un peu de grands reportages, euh, il faut se méfier de ce qu'on voit, de ce qu'on nous montre, même si moi, je, je préfère aller moi-même voir les choses plutôt que de me laisser guider pour qu'on me les montre. Après, on n'a pas toujours ce luxe, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, j'essaye je, quand même de, voilà, d'être dans le dans le réel. Alors, dans ce monde-là, euh, ce que je constate, c'est que aujourd'hui, on a une attaque euh, toujours contre les peuples à travers le porte-monnaie. Vous savez toujours et l'économie. Donc là, il y a toujours un prétexte. Euh, et là, le prétexte, il est par exemple climatique. Vous voyez. Le réchauffement climatique euh, euh, est un, un levier euh, pour pouvoir euh, vous faire vous serrer la ceinture, euh, vous taxer, euh, vous empêcher euh, de toutes sortes de choses, vous, en, vous empêcher en fait hein, dans tous les sens du terme. Et euh, ça, c'est une atteinte à la liberté et qui va très loin puisque associée à la dette qui est créée. La dette, en fait, est une arme de destruction massive du peuple. Euh, la dette, euh, eh bien, euh, bah, est en train de, 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 de détruire notre économie. Soit conjointement, c'est en train de détruire, ici, en tout cas, tout notre tissu économique français. Et on le voit concrètement. Moi, je parle beaucoup d'énergie. L'autonomie, ça passe beaucoup par l'énergie, vous voyez. Et il euh, se trouve que euh, par ce métier où j'ai rencontré tellement de milliers de gens, il ne se passe pas une semaine sans que plusieurs entrepreneurs me parlent, les petites et moyennes entreprises françaises, parce que j'en connais vraiment beaucoup, euh, et ça fait longtemps que les gens se confient à moi, mais me, me disent leurs difficultés. Alors ces dernières années, ils me parlaient des difficultés du recrutement. Parce que oui, on a un problème avec le travail en France. <laughs> et voilà. Euh, donc, très, très gros problème de recrutement. Surtout depuis le Covid, où beaucoup de gens se sont vraiment déshabitués au travail et ont pensé qu'on pouvait gagner de l'argent restant chez soi, toujours dans son fameux canapé à Vachy. Euh, mais là, c'est un autre problème, c'est-à-dire qu'ils ont des charges aujourd'hui de plus en plus élevées et notamment, ça leur facture euh, d'énergie qui explose à tel point qu'on pourrait voir encore 30% de nos entreprises euh, euh, mettre la clé sous la porte. Et moi, j'en connais qui sont en train de la mettre ou qui vont la mettre, sans compter la dette qu'ils ont contractée au moment du Covid, euh, qui est en fait une arnaque, vous avez compris, des banques. Un cadeau fait aux banques, vous avez compris. Euh, ça, c'est euh, dramatique pour notre tissu. Ceux qui s'en sortent, partout d'ailleurs, alors vous savez, je parle des entreprises, mais ça pend au nez des particuliers. Vous avez bien, vous avez bien compris que euh, ce qui arrive aux, aux petites et aux moyennes entreprises aujourd'hui avec leurs factures d'énergie qui vont peut-être devoir mettre la clé sous la porte, eh bien, ça va vous arriver à vous. Euh, là, je voyais un homme qui... Qui euh, appelait un peu au secours et poussait un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Il a un petit trois pièces et il lui arrive 2500 euros pour un petit trois pièces, 2500 euros, rien qu'en gaz et en électricité. Il n'a pas une grosse maison. Vous imaginez le pouvoir d'achat. Euh, à Paris, euh, moi, j'ai des témoignages de gens, euh, la, la facture du jour au lendemain de la taxe d'habitation, taxe d'habitation de gens qui n'ont pas terminé, souvent, qui mettent une vie entière à rembourser un appartement familial, parce qu'il faut bien loger sa famille, plus 62,5%. Vous imaginez, dans un budget familial, ça grève le budget familial. C'est-à-dire, pas de vacances pour les enfants, ça veut dire moins de cadeaux à Noël, ça veut dire. Concrètement, ce sont des attaques. Ce sont de vraies attaques. Vous ne pouvez pas monter de 62,5%. Pourquoi pas 620%, pourquoi pas 6200% enfin, À ce moment-là, tout et n'importe tout est permis. En fait, l'État et les pouvoirs se permettent tout. Donc, si vous voulez un peu sauver les meubles, euh, pardon pour cette expression un peu relâchée, eh bien, euh, il faut euh, prendre le recul nécessaire par rapport au système qui vous a imposé. Le système qui vous a imposé, c'est vous êtes dépendant de l'énergie. Eh bien, l'énergie, bah, il va falloir apprendre à vous en défaire et à la, voir à la créer vous-même. Et aujourd'hui, ceux qui s'en sortent le mieux... Euh, que ce soit à l'étranger, on va parler à, après de mes solutions que j'aime tant, euh, que ici en France, c'est ceux qui, ont, euh, qui se sont un peu déjà dégagés de système, ce système de l'énergie qui en fait est une véritable prise d'otage. Hein, vous avez bien compris, normalement en France, on a tellement bien fait les choses, nous sommes le pays d'une éclair que nous devrions avoir quasiment l'électricité gratuite. Imaginez. Mais non seulement aujourd'hui on vous dit il faut que tout passe à l'électricité, mais là vous avez encore le bouclier tarifaire, mais le jour vous ne l'aurez plus. Imaginez que là déjà c'est trop cher, il y a beaucoup de gens qui ne s'en sortent absolument plus. On leur a dit de passer au tout électrique et ils ne vont pas pouvoir payer leurs factures. Donc moi, je parle des solutions. Alors, justement, venons-y ah. aux, aux solutions à ce moment-là. Euh, vous n'êtes pas pour, euh, déjà, il faut préciser, pour l'emploi des énergies fossiles à foison, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous ne pensez pas que, voilà, il faille revenir à une, une société basée sur ces énergies-là. Euh, D'autant qu'effectivement, même, oui, voilà, l'essence le, le, est aussi, voilà, est contrôlée par des grandes entreprises et par, est soumise à un, un certain contrôle étatique aussi. Et alors, vous parlez par exemple de l'énergie solaire que vous dites euh, apprécier, euh, et puis même en fait, euh, voilà, euh, vous, euh, vous n'hésitez pas à parler même d'avoir un poêle chez soi pour pour se pour se chauffer. Comment est-ce que concrètement aujourd'hui on peut se passer de de toute toute l'énergie électrique euh, ou même fossile qu'on emploie aujourd'hui Alors il y a beaucoup de choses dans votre question. Euh... Il y a déjà les solutions. Alors, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut quand même dire que je suis une écologiste intégrale, c'est vrai. Mais il faut, on ne peut pas forcément euh, être en harmonie entre le côté purement autonomiste et écologique. Ce que je prône en autonomiste n'est pas forcément écologique. Hein, c'est il faut là. Et quand je dis, par exemple, passer au solaire, un panneau solaire, ce n'est pas très écologique. Et, et, et ça va quand même nécessiter euh, euh, bah des métaux des, des, et des matières premières euh, que nous n'avons pas ici, alors que, je, que justement, on va en parler plus tard dans la Lotec, je dis il faut plutôt des matières premières qui viennent euh, de chez nous, puisque vous avez bien compris, j'estime qu'il faut être souverain en toutes choses. Euh, dans tous les domaines et je peux même vous prouver que c'est possible dans dans la plupart des domaines si on si on le veut. Euh, donc moi ce que je prône c'est aujourd'hui l'autonomisme des individus et des petites collectivités euh, parce que euh, c'est ça vous évite de vous mettre en danger de mettre la clé sous la porte de plus pouvoir payer faux factures. Donc évidemment que le panneau solaire c'est formidable. Après euh, vous avez des, des bidouillages que vous pouvez faire vous-même, qui sont euh, extraordinaires, euh, qui sont d'autres sortes de panneaux, qui fonctionnent avec de l'eau, et ça j'en parle. Vous pouvez même les faire avec des canettes, vous imaginez, avec des <laughs> valeurs voilà, recyclées. Euh, et vous pouvez quand même avoir de l'eau chaude comme ça, vous pouvez avec vos panneaux un peu d'électricité, euh, euh, vous pouvez avec certaines batteries quand même avoir euh, ce qu'il faut. Pour un peu recharger vos appareils, qui sont quand même nécessaires, malheureusement, mais c'est comme. Voilà. On vit aussi dans le réel, voilà. Et ça, ça, ça c'est une chose déjà. Hein, donc, ça, vous pouvez produire. Vous avez des petites éoliennes qui sont très bien. Je ne parle pas des grandes éoliennes et donc que je combats. Vous avez compris, j'en parle aussi. Euh, tous ces miroirs aux alouettes écologiques qui en fait servent toujours les mêmes milliardaires et les mêmes intérêts économiques. Mais vous savez que si on continue, alors j'aime bien faire des parenthèses, je vous m'excuserez, mais dans 300 ans, on a fait le calcul si on continue à, à, à placer des en France, il n'y aura plus une seule terre cultivable. D'accord Donc c'est une aberration. En plus, ça a une durée de vie limitée, on ne sait pas les recycler, ou très très peu. Enfin, C'est voilà, encore épiphénoménal. béton à chaque fois Le aussi. béton, on ne pourra pas l'enlever. Enfin, donc il donc, n'y aura plus une terre arable. Enfin, C'est un désastre, un désastre. Mais il mais y a des petites éoliennes qui n'ont rien à voir, vous vous installez chez vous, qui sont très. Voilà. Et donc vous, vous pouvez avoir un mix de choses. Et vous avez par exemple euh, d'autres énergies que euh, qui ne sont, euh, sont pas ces fameuses énergies fossiles que le monde ne connaît pas vraiment encore bien, mais euh, que l'on peut recycler. Dans la mer, il euh, y, y a un bateau, par exemple, euh, je vais retrouver son nom, mais qui lui sillonne les mers. Euh, ramasse les déchets en plastique et le recycle au fur et à mesure pour produire sa propre énergie. Ça, ce sont des choses extraordinaires. Il y a un village, par exemple, c'est des petits exemples, en Alsace, euh, qui produit toute son énergie avec le miscanthus. Voilà, cette plante, le miscanthus. Bon. Tout ça, ce sont des choses que personne ne connaît et que, euh, on, on, on devrait vraiment euh, euh, étudier. Euh, il y a avec. Euh, avec des. Il y a des gens qui, re, qui ramassent. Il y a un homme, je crois que c'est un Africain, euh, il s'appelle Omar Vasquez. Il ramasse des algues toxiques, les sargasses, et il en fait des briques, vous voyez, des briques extraordinaires pour construire, etc. Vous avez un, vraiment une infinité de gens aujourd'hui qui ont des solutions écologiques absolument remarquables, y compris dans le, le domaine des énergies renouvelables, qui sont méconnues et même combattues. Voyez euh, mais ça fonctionne. Il suffit d'aller voir dans ce petit village, euh, euh, par exemple en Alsace. Euh, vous, avez, euh, vous avez dans les fermes, vous savez, on était autonome autrefois. C'est pour ça que je parle beaucoup aussi de la génération de nos grands-parents. Euh, et il y a des fermes aujourd'hui, euh, notamment en Savoie. Là, je, je, je parle rapidement euh, d'une production euh, laitière et euh, de fromage euh, où ils sont en autonomie complète. Vous voyez. Et alors justement, ils recyclent tout, ils se chauffent, euh, ils, il y a l'électricité et tout. Justement, le recyclage, je vais vous en parler également. Euh, comment est-ce que euh, finalement? On peut prendre des habitudes nous euh, au quotidien pour effectivement euh, voilà, ne pas utiliser euh, peut-être euh, autant de plastique, euh, réemployer euh, ce qu'on euh, qu détient déjà parce qu'évidemment on va peut-être pas fabriquer un, euh, un four pour faire fondre le verre des bouteilles qu'on qu utilise, mais concrètement comment est-ce qu'on peut euh, même voilà dans, dans le petits actes du quotidien euh, recycler et, euh, et voilà faire en sorte de ne euh... pas avoir trop de déchets justement qui vont durer pendant des alors, euh, alors bon, bon, moi je, je... Je parle de la sobriété et je pense que les clés de la sobriété, euh, c'est euh, des clés de la sobriété, c'est un autre modèle économique, euh, celui de la low-tech. La low-tech, ce sont des ingénieurs français qui l'introduisent euh, à peu près autour de 2013. Euh, et vous savez, c'est euh, finalement la basse consommation euh, de tous nos objets de la high-tech, et ce sont tous ces objets du quotidien dont on a besoin, mais qu'on va se réapproprier euh, de manière intelligente. Euh, et euh, alors, je cherche les mots parce qu'il y, y a des conditions à la low-tech euh, qui sont euh, l'accessibilité c'est-à-dire qu'il faut que ce soit facile d'accès que euh, on, ait, on puisse tous le, le manipuler qu'on puisse tous le réparer que ce soit utile l'utilité euh, donc, il faut évidemment euh, que ça subvienne à nos besoins du quotidien. Euh, et puis, euh, donc ça, et puis euh, dans la durabilité, vous savez, il y a eu cette abomination qui est l'obsolescence programmée, qui est un véritable crime, un véritable enfin, un, un crime écologique, hein, parce que ça, ça, ça a été aussi euh, euh, les désastres de, de l'ultracapitalisme que cette obsolescence programmée. Eh bien, euh, il faut que il faut que ce soit durable. Et pour être durable, c'est très très bien notamment de reprendre, euh, de prendre des éléments qui existent ici, par exemple du bois français, de, voilà, ou des choses de, de recyclage. Euh, moi, je voudrais faire un arrêt sur image qui concerne l'actualité, qui concerne la palestine. Moi, j'ai vu une image bouleversante de contact à Gaza actuellement, et cette image voudrais, elle, elle est vraiment... Euh, elle s'est vraiment imprimée en moi, il y a quelques jours. C'est un père et son enfant, encore survivants, il en reste quelques-uns, peut-être plus pour longtemps, mais bon. C'est un père et son enfant euh, qui... Euh, et Le père est à la machine à coudre, et le petit garçon tourne une double manivelle avec un vélo, une roue de vélo qui tourne et ça permet à la machine de son père de tourner. Cette image, elle est bouleversante parce que elle est l'image ben justement de la lotec, c'est-à-dire comment on recycle, comment on a des idées, comment euh, voilà. Cette image aussi des Palestiniens qui au milieu des ruines euh, arrivent encore à chanter autour d'un petit réchaud. Voyez, ils vont, ils vont tout simplement faire brûler quelques petites choses pour en, encore faire cœur ce qui leur reste. Bon, pareil et en chantant, et c'est l'image de la résilience. En fait, c'est tout ce que moi je prône et que j'ai vu à Gaza dans l'horreur absolue de la guerre, de la persécution, et je vais le dire parce que ce sera, je sais bien que je suis à Livre Noir et qu'on n'a pas forcément les mêmes opinions, mais c'est pour ça qu'on vous aime, c'est que vous êtes capable d'inviter des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que vous, de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un, un nettoyage ethnique. Euh, voilà, et, et, et ça, cette image de la résilience, j'aime tellement ce mot, parce que vous savez qu'en plus, il vient de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est juif, qui est Boris Cyrulnik, qui a été euh, euh, rescapé des camps. Il était un petit garçon, persécuté de 5 ans, et il a réussi à, euh, parce qu'il a réussi à se cacher de manière très intelligente, à se sauver, à sauver sa vie euh, et à s'échapper. C'est une histoire extraordinaire. Donc lui, il parle de la résilience, il a. Il nous, a, il nous a transmis ce, ce terme. Et voilà, et je, moi, c'est mon, mon petit clin d'œil. Mais voilà, ça, c'est les images de tout, de tout ce que j'aime, de tout ce que je prône. Et c'est quand même incroyable que je les ai vues aujourd'hui à Gaza. Ouais. Euh, alors, euh, effectivement, il y a cette, cette idée de, euh, comme vous dites, de demeurer quelque part là où tout s'effondre peut-être autour et justement de parvenir à, à faire avec peu de choses, à vivre avec peu de choses, etc. Concrètement, alors en France, on espère qu'on ne vivra jamais ce qui, se, ce, qui se, ce qui se passe actuellement à Gaza, mais qu'est-ce qui pourrait se passer Quelle situation pourrait arriver Quelle rupture de normalité brutale pourrait survenir face à laquelle on devrait effectivement se rendre compte que oui, c'est la fin de l'abondance et que oui, peut-être, en fait, aujourd'hui, on va devoir être... À quelle partie de quel on pourrait être contraint à, justement, la low-tech, à toutes ces choses-là, finalement Alors, euh, on pourrait être contraint par n'importe... Nous sommes déjà contraints par n'importe quelle rupture de normalité. Vous savez que, par exemple, la vie, c'est l'eau. Hein. Sans, euh, trois jours sans eau, on va revenir à Gaza, des enfants qui se plaignent de ne pas avoir bu pendant trois jours, on voit leur état, c'est épouvantable, on meurt. Et donc, priver des gens d'eau, c'est pour moi le signe extrême de l'inhumanité. Là, vous avez versé du côté obscur de la force complètement. Quoi, hein. Et là, priver les gens d'eau, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, ça veut dire que demain, euh, une grande ville est privée d'eau. Euh, très vite, ça devient le chaos. Donc là, je parle dans le livre justement, je dis, ben, si vous êtes dans une grande ville, comment faire pour récupérer votre eau, comment faire pour qu'elle devienne buvable, et comment faire pour aller en trouver Parce que par exemple, à Paris, on a des sources. Vous êtes à Lyon, il y a des sources, il y a comment, voilà, où aller, comment faire, etc. Ça, c'est fondamental. L'eau, elle peut être polluée, et ça arrive tous les ans. Alors, c'est encore arrivé récemment, sur une zone très importante en France, plusieurs fois par an, l'eau n'est plus du tout buvable, pour diverses raisons. Un, elle est polluée parce qu'il y a euh, une, une, une usine qui a eu une fuite. Elle est, euh, elle est polluée parce qu'il y a eu une crue. Y a, y a trop, et ça, il y en a pas mal. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a une panne, une panne d'électricité. Vous imaginez en ville, une panne d'électricité, ça veut dire que plus rien ne marche. Ça veut dire que bah, tous les systèmes de paiement, tout ça, ça ne marche plus. Imaginez si on nous supprimait l'argent physique donc, alors là, la catastrophe, plus euh, d'électricité pour faire marcher tous les appareils et plus d'eau. Une simple panne électrique quelques jours, donc le chaos très vite. Hein. Les magasins plus approvisionnés, voilà, bon, bref. Donc, euh, ça, c'est une rupture de normalité euh, tout à fait euh, possible et régulière, en tout cas en ce qui concerne l'eau. Et moi, pour revenir encore à une autre génération, j'aime beaucoup exem un exemple là que je donne dans le livre, pour le coup, c'est... C'est une, une jeune femme, elle qui est passionnée par l'eau et qui, qui organise, elle, des, des stages un peu de survie, entre guillemets, mais plus, un peu comme les scouts le feraient, contact de la nature. On, on essaie comment faire un feu de camp, comment bivouaquer, enfin, tout ce qu'on fait un peu dans le scoutisme, mais plutôt pour les adultes, parce que ça fait aussi du bien d'aller camper, c'est plutôt dans cette, cette démarche. Euh, et puis euh, ça, et puis il y a une grosse panne d'eau et l'eau, euh, c'est même pas une eau, je crois qu'il y a une crue chez sa grand-mère, qui est une dame qui doit avoir 90 ans, 95 ans, et, euh, et l'eau arrive noire, enfin toute boueuse du robinet, et tout. Oh, C'était la catastrophe. Très vite rupture de bouteille d'eau dans le village. Euh, comme il y avait une crue, euh, rien n'arrivait. Bon, les réassorts n'arrivaient pas, etc. Et elle, elle ne s'est pas du tout démontée. Elle a pris un bas, vous savez, les bas, les collants, quoi, pour femme. Elle a filtré son dos tranquillement. Elle l'a a fait bouillir. Et puis voilà. Pendant que tout le monde s'affolait autour d'elle, elle, dans sa petite maison que tout le monde sûrement avait oubliée, en bon individualisme qu'on est. Et eh bien voilà. Et moi, j'ai rencontré une dame qui, euh, dans, les, dans des zones très reculées de France, elle a plus de 90 ans. Et elle, elle se chauffe au bois, elle cuisine au bois, elle fait tout au bois. Elle est autonome. Du point de vue de l'énergie, elle est autonome. Bah, et alors, merci donc pour, pour <laughs> ce conseil, quelque part. Alors, heureusement, bon, il y a encore des filtres à eau qui existent aussi. Alors, on j'en parle aussi. Peut parler, et justement, j'allais justement venir sur ouais. le matériel aujourd'hui euh, qui euh, pourrait aider en cas de rupture de normalité. Parce qu'effectivement, bon, à Paris, vous parliez des petites éoliennes ou des panneaux solaires. Euh, enfin, même dans une ville. Si, si, vous pouvez les mettre dans sur votre petit une... balcon. Ce n'est pas la peine d'avoir une terrasse, qu'on n'a pas de terrasse. Oui. <laughs> on en rêve tous, mais on n'en a pas forcément. Et on, on, ou un petit jardin, même un tout petit jardin. Alors, même un tout petit jardin, on peut faire des miracles, on peut en parler. Mm -hmm. Mais, euh, non, non, même sur une terrasse, on peut faire des, des miracles. Mais même un petit balcon, vous pouvez mettre votre mini-éolienne, s'il euh, y a un peu de vent, et puis vous pouvez mettre vos petits panneaux solaires. Déjà, ah si, si, ça fonctionne bien. Très bien. Et, euh, et, alors, euh, et alors, effectivement, euh, alors les filtres, voilà, de, les filtres, de ça euh, au filtre à eau, mais même, est-ce que, euh, je voudrais revenir euh, sur le, côté, le, le cliché du, justement, du, du survivalisme un peu, euh, est-ce que, selon vous, euh, les, les citoyens doivent, euh, par exemple, déjà... Euh, enfin, quel matériel ils doivent avoir Est-ce qu'ils doivent s'armer euh, Est-ce qu'ils doivent avoir de grandes haches euh, pour ah, couper le bois Ah, de la sécurité, c'est autre chose Non, encore. mais de façon alors, générale, de la cuisson, en termes de matériel... Plus mon... Alors, les couteaux de cuisine, c'est plus mon... mon... <laughs> mon, euh, mon, mon, mon domaine que les couteaux de survie ou les couteaux de défense, surtout que j'aime pas trop euh, tout, enfin, les couteaux en fait en général. Euh, mais bon, bref, euh, mais je trêve de plaisanterie. Non, moi je peux vous parler beaucoup plus de la cuisson, je peux vous je peux, je peux parler de la sécurité si vous voulez un petit peu. Mais euh, en fait, déjà les panneaux solaires, euh, moi je vous pouvez cuire au soleil, la cuisson au so, solaire est fonctionnent très bien. Vous pouvez faire des barbecues solaires qui fonctionnent magnifiquement aussi. Euh, vous pouvez les fabriquer vous-même. Vous pouvez faire des séchoirs solaires ah, parce que vous savez que quand on est un bon, un, bon, euh, un bon autonomiste, on mange des fruits et légumes frais, crus et, bon, et cuits, tout ce que vous voulez, mais l'été, mais frais. Et vous mangez des légumes secs que vous faites sécher euh, l'hiver, par exemple. Et puis, vous pouvez avoir quelques conserves. Il faut les stocker, les conserves. Donc, vous pouvez effectivement faire sécher tout ça et puis faire quelques conserves et autres modes de conservation, parce que c'est fondamental aussi le mode de conservation. Vous pouvez faire des saumures vous pouvez faire. Voilà, ça, c'est la lactofermentation. Et très bonne aussi pour la santé. Attention à bien à bien à bien dessaler après. Mais voilà, il y a des il y a des tas de il, y a, il y a des tas de trucs comme ça, de matériel à avoir qui c'est du matériel simple, mais qui quand même euh, vous sauve en ville. Évidemment, vous n'allez pas vous chauffer avec ça, c'est très compliqué. Vous allez plus vous chauffer dans une maison, ça c'est assez simple de chauffer dans une maison. Alors je parle depuis canadien, je parle de choses extraordinaires hein, qui ne coûtent rien. Euh, je déconseille des solutions anti-écologiques, euh, en revanche, euh, euh, voilà, comme les chauffages par le sol et toutes ces sortes de choses, euh, les pompes à chaleur, euh, qui ne sont pas du tout écologiques. Elles ne présentent comme écologiques, pas du tout. Mais voilà. Alors après, euh, ça, ce sont des solutions d'autonomie, mais on peut en parler euh, plus avant si vous souhaitez, parce que... La les modes de conservation, la production chez soi de nourriture, c'est intéressant aussi. Mais mmh. vous voulez parler de sécurité, c'est ça alors, alors, si vous voulez, on peut d'abord effectivement euh, aller sur ces modes de conservation-là et ensuite on, je reviendrai sur, sur mmh. la sécurité plus tard. Mais euh, alors, euh, effectivement, comment on fait même pour se, se fournir euh, en, en, euh, en aliments et ensuite comment on fait pour les, euh, pour les conserver Est-ce est que vous allez par exemple au supermarché euh, Est-ce que, est que quelque part. Euh, vous mettez ça dans votre frigo et. Euh... Alors, le bon autonomiste, en fait, là, vous avez, vous avez touché un point sensible. Il ne sort pas de la société. Il n'est pas un survivaliste. Euh, il est libre dans sa tête. Moi, je, je prône la liberté. Pourquoi je dis euh, le survivalisme à la française, c'est la French touch. Hein. C'est la liberté. Vous savez, France, ça veut dire libre. Donc euh, ça, c'est l'ADN de, de la France et du français, c'est la liberté. La liberté, d'ailleurs, elle est donc aujourd'hui un enjeu. Si on veut la garder euh, ou même la reprendre, euh, ça ne se demande pas. C'est que la liberté ne se demande pas, elle se prend. C'est comme ça. Donc euh, ça, ça, c'est un... Un préalable non négociable. Voilà. Euh, donc il faut, être, euh, il faut être libre. Mais vous êtes libre d'être dans la société, et surtout il vous est recommandé de rester dans la société, tout en cultivant la solidarité, euh, la communauté, le relationnel, et, et vous vous préparez. Vous vous préparez à la rupture de normalité pour parce qu'économiquement, vous n'allez peut-être pas pouvoir euh, survivre euh, très longtemps aux factures qui vont arriver. Il va falloir vraiment baisser le chauffage, euh, couper l'électricité, euh, etc. Quoi. Gérer votre cuisson. Euh, euh, voilà. Et puis, n'importe quelle panne, ça, l'eau, c'est possible avec les dérèglements un peu climatiques. Ce genre de choses, il est très possible qu'il y ait des pannes d'eau aussi, que l'eau n'arrive pas. Vous êtes habitué à tourner un robinet. Mais autrefois, on était habitué à aller chercher l'eau, la traiter s'il le fallait. Tout ça, faut réapprendre. C'est important de savoir le faire quand on fait du scoutisme. Vous savez ce que c'est, la devise des scouts. Scout toujours prêt. Voilà. Ça n'a rien de paranoïaque, ça n'a rien de complotiste, ça n'a rien de survivaliste. C'est simplement du bon sens que nos grands-parents faisaient. Voilà. Et puis, c'est agréable de reprendre un peu sa vie en main, les choses en main. Donc évidemment que je vais au supermarché, mais je vais pas tellement au supermarché. Je vais par exemple dans les amap. Vous voyez, euh, je peux aller dans les supermarché, mais les amap c'est aussi une manière de se retrouver, comme on se retrouvait autrefois autour du lavoir, vous voyez, euh, ou dans les petits villages au café, et on se retrouve autour des amap avec des gens qui ont un peu la même vision du monde que vous et qui pensent que euh, euh, aider nos paysans, euh, consommer plus local. Euh, voilà, c'est important, vous voyez, et puis de, de maîtriser ce que vous avez dans votre assiette. C'est ça aussi, être souverain, maîtriser ce que vous avez dans l'assiette, que ta nourriture soit ton médicament, vous savez. Donc ça, voilà, ça, 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 ça c'est une, euh, une première règle, vous voyez. Et puis après, vous pouvez produire chez vous des choses. Euh, Sur par... le potager, par exemple. Alors, le potager, vous pouvez le faire, euh, évidemment, si vous avez un... Si vous avez... Une terrasse peut faire un petit potager en étage avec des bacs. Euh, votre petit carré des simples, même pour vous soigner de façon basique. Voyez, euh, par exemple, euh, quest ce que je pourrais vous dire des choses très simples. Le persil, c'est très facile à faire pousser le persil. C'est beaucoup moins fragile que le basilic. Et avec du citron, voyez, ça du citron, ça se conserve assez bien. Hein. Vous pouvez vous le conserver un peu au frais, etc. Vous pouvez même avoir un citronnier sur votre balcon, ça, ça fonctionne bien aussi. Si on travaille si bien un citronnier, ça, on arrive à l'avoir sous, sous des petites serres, etc. Eh bien, euh, vous faites une décoction donc euh, jus de citron, euh, persil haché. Euh, vous faites un peu macérer, vous rajoutez un peu d'eau, et là, ça va vous dépurer le foie euh, et, les, les, et les reins. Très, très, très bien. Hildegard de Bingen en parle déjà. Elle, elle, elle parle du vin de Percy, euh, qui en plus euh, traite aussi les chagrins d'amour. Ah là, ici, ici, je suis dans une rédaction, les, la moyenne est d'une vingtaine d'années, et, euh, et donc voilà, ça c'est une recette qui sera sûrement très utile. <laughs> voilà. Euh, quoi qu'on en a à tout âge, les chagrins d'amour, et puis voilà. Euh, mais voilà, ça, ça c'est tout simple. Mais voilà. Et alors, si vous avez un petit terrain, Pouvez faire quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire faire pousser. Euh, vous voyez, tout, tout, on dit toujours Ah, mais finalement, ce n'est pas très écologique de faire venir euh, euh, des fruits, des légumes de l'autre bout du monde. Moyennant quoi On signe le Mercosur, le, bah, tout, toutes ces choses-là, toutes ces choses. Et alors, on a. Euh, toutes les saletés qui viennent des États-Unis nous envahir, mais on n'arrête enfin, pas de signer la avec aussi. la Nouvelle-Zélande, on vient de signer ça avec la Nouvelle-Zélande, c'est effrayant, et nous on en, on en kikine pour ne pas dire un autre mot cher à nos gouvernants, nos paysans qu'on est en train de matraquer, parce que vous savez que les paysans sont les, 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 les gens à abattre pour le mondialisme, en fait il faut abattre les paysans, et donc, c'est le meilleur moyen de les abattre, c'est de, de les, comme le fait la, le Parlement européen, c'est de les matraquer de règles euh, et en même temps, toujours en même temps, de faire venir la concurrence beaucoup moins chère, elle qui n'a pas de règles, euh, en concurrence directe avec eux. Voilà, qui sont non seulement. Euh, assommés de règles, mais de charges aussi. Voilà. Donc, vous voyez, bon, vous voyez comment on est traité. Euh, et donc, euh, voilà. Alors, je sais plus ce que je disais au le départ de ce que je disais, mais enfin bon. En tout cas, euh, en tout cas, nos paysans, voilà. Ce que je dis, c'est ils sont, euh, il faut les, il faut les promouvoir et se dire que même eux et même nous, on peut faire. Ce que les autres font aussi bas et même mieux, et même sur les agrumes. Figurez-vous que même dans le nord de la France, vous pouvez faire euh, pousser des agrumes, des bananes, tous les fruits exotiques que vous aimez. Moi, j'ai découvert ça en Belgique. Ça s'appelle les lawipini, ou alipini. Euh, ce sont des serres enterrées, minimum 2 mètres, parce qu'à 2 mètres, vous vous mettez euh, hors gel quasiment tout le temps. Bon, enfin, pas toujours. Enfin, en général, c'est hors gel à 2 mètres. Et elles sont enterrées ou semi-enterrées. Donc elles sont en climat tempéré. Et là, moi, j'ai découvert ça en Belgique. Mais dès le 18e siècle, finalement, on le, on le faisait. Et on peut faire, et c'est là que j'ai découvert quelqu'un qui faisait des bananes, des fruits exotiques, des agrumes. Merveilleux. Vous voyez, même en Belgique, on peut, peut s'amuser. Donc ici aussi, il euh, n'y a pas que chez moi en Provence qu'on fait euh, les meilleurs citrons du monde, bien évidemment. Et donc, euh, mais euh, finalement, je crois que c'est que c'est On les voyait déjà dans les, dans les premiers siècles, hein, si mmh. on remonte, si on remonte loin en Chine, au Canada, etc. Donc, vous euh, voyez, on peut, on peut faire des choses importantes sans avoir à traverser la planète et sans se priver. Et puis chez soi, si on est urbain, eh ben, on peut faire des champignons. Par exemple, chez soi, c'est très facile la culture du champignon, dans des boîtes à champignons qui s'achètent. Mais vous pouvez euh, déjà euh, créer votre petit écosystème vous-même avec du mar de café, du carton, euh, de l'eau, etc. Et puis après, euh, des mycéliums de pleurotes, et hop, les pleurotes chez vous, euh, en quelques semaines, vous avez des magnifiques pleurotes chez vous. Superbe. Euh, Aujourd'hui, euh, les faux écologistes vont vous parler des insectes que je ne vous recommande pas parce qu'ils peuvent être euh, extrêmement allergènes. Et donc aujourd'hui, on, on veut, vous voudrait vous faire manger de la farine d'insectes euh, et, et puis toutes sortes d'insectes qui seraient la grande solution écologique pour éviter l'élevage. Je ne le recommande pas. D'abord parce que ça peut être très très allergène, et puis votre métabolisme humain n'est pas fait pour ça. Voilà, et en tout cas occidental, certainement, certainement. Et donc vous pouvez, en revanche, faire des graines germées. Et alors là, vous avez multiplié de 8 par 8 ou par 20 toutes les qualités nutritionnelles des graines germées. Et ça chez soi, en quelques jours, vous avez des graines germées. Très bien. Et c'est archi simple à faire. En fait, c'est tous ces gestes. Que... Et alors ça, c'est facile à stocker, les graines, vous voyez Très, très facile à stocker. Ah ben, c'est des tas de petites choses. Je pourrais continuer à l'infini. <laughs> alors, euh, comme, euh, comme promis, on va parler aussi d'un du, du, sujet qui, pour le coup, est très présent chez, euh, chez les survivalistes, même qui est dans l'essence même des survivalistes, qui est celui de, de la défense. Quel est euh, votre, euh, votre avis, voilà, sur... Sur cette question, est-ce qu'il faut apprendre à se défendre Est-ce qu'il faut avoir une arme à feu chez soi euh, Comment est-ce que vous voyez ça Alors, déjà, c'est interdit d'avoir une arme à feu chez soi. Pas, pas forcément si euh, on chasse. C'est. On... Euh... Mais on peut le passer. Bon. Mmh. Et donc, il est plutôt conseillé de passer son permis de chasse pour pouvoir se nourrir en cas de rupture de normalité. Déjà, ça, je dirais que ça, c'est indispensable un, un, pour une bonne autonomie. Je pense que le permis de chasse, même si. Euh... Même si euh, je pense que la chasse est nécessaire pour réguler quand même le gibier, pour euh, quand on est un vrai bon chasseur et qu'on aime la nature, qu'on aime les animaux, c'est une vraie valeur ajoutée dans la nature. Après, il euh, y a des gens euh, qui chassent, qui tuent pour tuer. Euh, bon, voilà, ça, ça, c'est pas tout à fait ce que je prône non plus, en bonne écologiste aussi. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qu'on qu peut savoir faire et qu'on doit savoir faire dans une certaine mesure si on veut être autonome et pas toujours compter sur les autres au cas où. Voilà. Et puis c'est intéressant parce qu'on apprend, on apprend la nature, on apprend, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Bon, ça, ça, une, voilà. On peut aller aussi faire de la, du tir sportif qui est très bon pour la concentration, qui détend en fait beaucoup, qui vide beaucoup la tête. Mais après, euh, il faut se dire que si on le fait dans un but d'autodéfense, euh, ça peut de chances de fonctionner. Parce qu'en général, euh, 9 fois sur 10, euh, lorsqu'il y a une attaque, c'est vous êtes ou pris par surprise. Euh, ou vous n'êtes pas chez vous, euh, ou vous n'avez pas le temps d'aller chercher dans le coffre l'arme en question. Donc ça, ça me paraît un peu illusoire en fait. Vous voyez, ça, on, on se la raconte un peu, c'est sympathique, mais euh, on n'est pas au Far West avec le flingue à la ceinture, je réunis. Voilà. Même s'il y a une femme que j'aimais beaucoup, qui était la comtesse de Paris, que j'ai eu la chance de rencontrer, et quand j'étais toute jeune, et, on avait, euh, et quand elles nous en fait, elle nous rencontrait, en fait, elle avait beaucoup de petits enfants, et elle avait toujours l'art à la manière de vous prendre un peu pour sa petite fille ou son petit fils aussi. Enfin, c'était toujours très. Et elle, elle avait une formule que j'aimais beaucoup. Elle se retrouvait au château de, qui était une famille, euh, un château de la famille des Orléans. Et ça lui est arrivé de se retrouver seule, et elle disait ben Moi, j'avais toujours euh, dans ma chambre, j'avais. Alors, ça, 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 ça c'est devenu une véritable devise pour moi. À la campagne, j'avais euh, un chapelet euh, euh, pour me protéger des mauvais esprits, une bouteille de whisky pour me donner du courage, et un fusil pour repousser <laughs> les assaillants. J'aime beaucoup cette formule, voilà. Très aristocratique en même temps. Et. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que la défense C'est déjà un état d'esprit. Je crois que c'est de la même manière que de se préparer, c'est de savoir que le pire n'est pas toujours sûr. Voilà, mais que euh, dans le monde réel, euh, l'insécurité n'est pas qu'un sentiment. Euh, quoi qu'on pense ou feigne de le croire, euh, toujours euh, ceux qui ont euh, la main sur le bâton. Euh, jusqu'au jour où ça leur arrivera. Parce que pour l'instant, ça ne leur arrive pas, mais ça se rapproche, en fait. Je trouve que voilà, ce n'est pas un sentiment d'insécurité que, que vivent les Français et même beaucoup, euh, beaucoup d'Européens. Euh, ça n'est pas qu'un sentiment d'insécurité. Donc, en fait, c'est toujours une possibilité. Mais sachez que dans les années 1870, par exemple... Paris était un véritable coup de gorge, c'était bien pire qu'aujourd'hui, donc il faut relativiser. Moi, je ne suis pas pour le bel autrefois, vous voyez. Je ne pense pas qu'il y avait un bel autrefois et un, 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 voilà, et, et un, un présent peu désirable. Je pense que c'était pire avant. La réalité, c'est vrai, c'était pire avant. Mais euh, on a un, un ensauvagement qui recommence euh, et il va falloir reprendre, reprendre les rênes. Mais oui, une forme de d'autodéfense bien préparée, mais dans sa tête, c'est d'abord mental, c'est déjà un travail mental, est important. voilà. Et puis, après, rien ne vous empêche de faire des arts martiaux, de pratiquer la méditation. La méditation au sein des arts martiaux vous permet aussi d'être plus attentif au monde autour de vous. Et ce qui vous arrive souvent, c'est un manque... C'est du fait d'un manque d'attention ou de vos nerfs qui lâchent euh, ou du regard sur l'autre euh, qui n'est pas celui qui, qui devrait être, euh, qui est le regard de la peur. Hein. Si vous avez peur euh, dans la nature et que vous rencontrez un ours, ça ne va pas vous sauver la vie du tout d'avoir peur. Et puis, euh, et puis je crois que fondamentalement, euh, considérer l'autre comme un ennemi... Euh, peut le transformer en ennemi. Merci beaucoup, Bertin. Euh, Donc, Je rappelle le nom de votre livre, Vivre autonome, le survivalisme à la française. Euh, chers auditeurs, je voudrais vous rappeler pour, pour finir que voilà, nous sommes toujours en pleine campagne de dons jusqu'au 31 décembre pour monter ce, ce pôle enquête. Et puis, il y a notre nouveau magazine, Une Terre de Peuple. Euh, qui est en, en kiosque euh, depuis le, le 8 décembre. Donc euh, je, vous, je vous engage à aller le, le, vous le procurer. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci, bah, merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Chers amis, je suis très heureux de vous annoncer la sortie du nouveau magazine Livre Noir en kiosque le vendredi 8 décembre et déjà disponible en pré-vente sur notre site www.livrenoir.fr. Ce second numéro, nous l'avons intitulé Une terre, deux peuples. Il nous a conduit à mener des enquêtes dans les cités de Marseille, au cœur du trafic de drogue et des zones de non-droit, dans la prison des Baumettes, où sont enfermés les principaux caïds, à Londres, au cœur des manifestations pro-Palestine, avec ses prières de rue et ses marches au cri d'Allah Akbar, en Israël, près de la bande de Gaza ou en Arménie, tous deux confrontés à une nouvelle guerre de civilisation, également sur les routes de la drogue, d'Anvers et les bouleversements démographiques qui bouleversent l'Europe et la France, de Cologne à Roubaix, en passant par la cité de la monnaie, Moran-sur-Isère. Avec une question sur toutes nos lèvres que nous avons posée aux nombreux membres du renseignement, de la sécurité intérieure ou des forces de police que nous avons rencontrés en off pour cette enquête inédite. L'affrontement de ces deux peuples est-il possible Quelles étapes demain en cas de nouvelles émeutes sommes-nous prêts Quel est le plan en cas d'émeutes aggravées Que se passera-t-il enfin en 2024 avec le défi sécuritaire des Jeux Olympiques Et ce que nous avons découvert est glaçant et inquiétant. Depuis les émeutes de juin dernier, la France a basculé dans une nouvelle phase de violence. Avec les pillages, la haine anti-police, la France a découvert que le mal ne rongeait plus uniquement les banlieues du 93 ou de Marseille, mais touchait désormais de nombreuses petites villes réparties sur l'ensemble du territoire. Les cités ne sont plus en vase clos, elles s'exportent désormais dans les villages environnants dans une perspective de conquête de territoire, comme nous l'avons malheureusement vu cette semaine. Fruit de 40 années d'immigration massive, notre société a produit de jeunes racas issus de l'immigration de 16, 17, 18 ans de nationalité française, qui faisaient de la haine anti-France un moteur. Cette haine, cette deuxième société, a causé de nombreux morts, dont celle plus récente de Thomas, frappée dans le petit village de Crépole par une bande de jeunes de cité, comme on dit. Aujourd'hui, sur une terre, il y a désormais deux peuples. Alors qu'ils n'ont pour certains connu que la terre de France, ils refusent d'avoir les mêmes martyrs, alors qu'ils enterrent leurs morts sur le même sol que nous. Ils veulent leur propre cimetière. Il y a un peuple qui pleure sa petite sœur assassinée, ses bébés attaqués au couteau, sa fille traînée sous une voiture, ses professeurs égorgés. Il y en a un autre qui pleure son petit ange, ses jeunes des quartiers, ses victimes du racisme. Qui parmi nous eut une larme pour Ziad Qui parmi eux en eut une pour Lola Alors pour nous soutenir et recevoir votre magazine chez vous, la veille de sa parution en kiosque, je vous invite d'ores et déjà à commander. Ce numéro exceptionnel en ligne sur notre site www.livrenoir.fr. Merci à tous de votre soutien. On espère que ce numéro vous plaira. À très bientôt.